Watch Web TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour de ce jeudi. Bujumbura abrite la première édition des Jeux des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est qui a débuté ce jeudi. Les disciplines sont entre autres le football, le volleyball et le basketball. Le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutoré, participait à l'ouverture officielle de cette édition. Il a indiqué que les tournois sportifs constituent une plateforme pour renforcer la fraternité dans la région. Le président du Conseil des ministres de l'EAC appelle les joueurs au fair play, que la défaite ne soit pas une source de mésentente. Le reportage de Chimen Manirakiza et Eddy Atangimana. Seuls le Burundi et la Tanzanie étaient sur place lors de l'ouverture des tournois sportifs cet après-midi. Les autres pays attendus sont le Kenya et l'Ouganda, tandis que le Rwanda et le Soudan du Sud ont décliné leur invitation. Des cérémonies d'ouverture ont été marquées par un défilé de différentes délégations des pays de l'Afrique de l'Est. As we follow the parade, let me make this very important announcement. Dans son discours, le deuxième vice-président de la République a indiqué que les tournois sportifs constituent un réel rapprochement des citoyens vivant dans les pays membres de la communauté est-africaine. Le tournoi sportif qui démarre aujourd'hui constitue une plateforme pour un rayonnement du sport dans la région et un réel rapprochement des citoyens vivant dans les pays membres de la communauté est-africaine qui se sont engagés à être un peuple uni pour une même destinée. Au-delà du spectacle professionnel que nous offrirons les athlètes, footballeurs, basketteurs, handballeurs et bien d'autres, ces Jeux nous donneront une opportunité de repenser le rôle du sport dans le développement durable de nos pays respectifs. C'est également un moyen privilégié pour la jeunesse africaine en quête de repères et de modèles de référence de tirer des leçons pour faire du sport un instrument de vulgarisation des valeurs humaines fondamentales telles que la fraternité, la discipline, le fair play, la loyauté, la citoyenneté, l'excellence, la tolérance, pour ne citer que celles-ci. Le président du Conseil des ministres de l'EAC, Ali Kirunda Kivenjija, quant à lui, explique que dans tous les jeux, de même que dans la vie courante, il y a toujours des gagnants et des perdants. We must therefore encourage sports to inculcate the culture. Il faut donc encourager le sport pour améliorer la culture. Dans n'importe quelle compétition, il y a toujours le gagnant et le perdant. Si vous perdez, ne dites pas qu'il y a tricherie. Trouvez plutôt les raisons de votre défaite et faites en sorte que dans le futur, vous puissiez vous améliorer. La défaite, ce n'est pas vraiment la fin du monde et nous ne devrions pas nous entretuer. Les tournois sportifs prendront fin le 30 août et vont se dérouler dans les provinces de Bujumbura et Gitega. Je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de ce fait du jour. À bientôt.